tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours moi et ma tête de fatiguée. On se retrouve vendredi, n'importe quoi, mercredi, le mercredi suivant. Je vous avais dit qu'on se retrouvait là. Il est 9h, je viens de me réveiller. Voilà, comme d'hab, avec mon beau pyjama Le Royaume de chez Primark. Par contre, bon, on connaît déjà un Primark, c'est pas cher, mais ça rétrécit de ouf. Bref, on s'en fout. Je me suis levée tôt, tout simplement parce que la personne qui fait la cuisine va commencer à faire la cuisine. Et je suis contente parce que. Parce que je débarque. J'ai envie quand même de chauffer un truc, manger chaud. Mais voilà, c'est pas. Je me plains pas, vous me connaissez. Voilà, mais bon, ça saoule un peu. Bon, étape numéro 1 du dressing terminé. Il est juste big. Je me rendais pas compte. Je suis contente, attention. Mais il est énorme. J'ai pris le plus grand en fait, 2m30 je crois. Là ça fait 1 mètre ici, 75 ici et 58 cm de profondeur. Et je trouve ça mieux parce que, bon bah quand t'as la place bien sûr, parce qu'en fait au moins les fringues elles sont pas complètement collées au mur quoi. Donc, oulala. Donc ce soir je vais mettre des trucs sur cintre, c'est juste pour vider un peu des cartons. Je vais pas forcément ranger bien, tu vois. Ranger, enfin voilà, je sais que les hauts, les tops, je vais les mettre en bas, les robes, les trucs, enfin bref, juste cintrer, suspendre et après ranger. Et voilà, et pourquoi j'ai pris deux barres ici, c'est pour que bah, je suspende plutôt mes t-shirts, parce que plier c'est plus galère. Voilà ce que ça donne, donc quand j'y commençais parce que là il manque les tiroirs, les planches. Et du coup c'est pas la version définitive de mon rangement, c'est juste que j'avais besoin de libérer de l'espace. J'en avais marre des cartons, donc du coup j'ai mis la moitié sur cintre. Et de toute façon, à terme, c'est ce que je veux, pratiquement tout cintrer, ce qui est cintrable. Et là, je rangerai tout ce qui est pantalon. De toute façon, je vous ferai un dressing tour, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez. Mais voilà, en gros, c'est juste pour vider un peu l'espace, parce que là, c'est plus possible, quoi. Il faut que je mette des trucs, il faut que je range. Putain, j'ai encore des cartons de vêtements, putain. Bref, ça aussi, on va parler de ça, la fast fashion, là, ça devient un petit peu trop... J'avoue que c'est bien, mais c'est trop de consommation. Frère, t'as un seul corps. Bon, bref, voilà. Dixit, la shopping addict. Mais il faut se calmer avec ça, je trouve. Donc, voilà. Donc, du coup, il va venir mettre les tiroirs, etc. À mon retour de vacances, je vais me faire mon dressing comme je l'entends. Je pense que je vais ranger par couleur. Enfin, je sais pas encore. Ouais, j'ai un dressing coloré, moi. Bref, donc, voilà. Je vous ferai ça. Je vous montrerai ça. Mais pour l'instant... C'est pas la version définitive, mais au moins c'est rangé. Et du coup, dans la salle de bain, donc voilà, pour ça vous l'avez déjà vu, mais vous n'aviez pas vu ce petit côté-là avec la tringle et la planche. Là, en haut, je sais pas encore ce que je vais mettre. De toute façon, je ne sais pas encore comment je vais aménager tout ça. Mais voilà, c'est fait, c'est là. Et j'ai mis la tringle que je vous disais, la perche télescopique. Je vous expose aussi mon soutif, mais vous avez déjà vu des soutifs, je pense. Donc voilà, j'ai fait ça toute seule hier, j'étais contente. Ça m'a pris beaucoup de temps et ça m'a bien saoulée. Chose de l'autre côté. Putain. Allez, redévisse. Ben voilà, c'est le résultat que je voulais en fait pour accrocher mes pyjamas qui prennent de la place, mes pyjamas pilou pilou là, mes combis. Vous savez que j'adore ça l'hiver.
J'en ai quand même des plus classes aussi, hein. Ça c'était ma meilleure amie qui me l'avait offert. Voilà, bon bref, mes petits gilets comme ça, enfin voilà, mes trucs qui prennent de la place là, pliés. Et je mettrai aussi tout ce qui est peignoir, robe de chambre. Voilà, et ce que j'aime bien, comme je disais, c'est que la perche est télescopique. Donc tu peux tirer, voilà, je sais pas si c'est vraiment une grande utilité, mais bon, bref. Voilà, donc du coup, je vais me laver parce que ma tronche là, c'est plus possible. Et je pars chez Ikea tout à l'heure. Je vais peut-être me préparer avec vous. Je vais peut-être me maquiller aujourd'hui un peu. Ce serait bien quand même que je fasse quelque chose pour ma tronche. Parce que c'est pour toi que je me suis pas maquillée. Bref, à tout de suite. Bon, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien en direct de Ikea. Faut que j'aille ramener ce truc-là. Là. Vous vous souvenez le truc que j'ai pas commandé pour aller chercher la housse de mon canapé, mais figurez-vous qu'il manque encore un tiroir dans mon dressing. Bref, bon, je sais pas si vous allez m'entendre, mais voilà, de retour chez Ikea. Eh, mes frères, il y a des œufs là, c'est quoi ça? Mais c'est quand on va arriver quelque part que ça dans touche. Eh, beau Dieu. Oh, ok, bon, il y a deux. Bon, les gars, quelle histoire! Quelle histoire! Heureusement que mon pumpkin elle est là. Merci Doudou. Elle est belle mon Fabkin. Attends, je retire. Ouais, retire tes lunettes. Mais t'es belle même avec tes lunettes. Ah, Doudou s'est réveillé, non? Bref, j'attendais ma cousine là avec le canapé. Enfin bref, le canapé là, housse. Bon, nous Adam, nous arrivés à Ikea, c'est reparti pour. Et je précise qu'on est dans un sens interdit. Ouais, alors oui, voilà, elle a dû faire demi-tour parce qu'en fait j'étais là. Mais si elle partait là-bas, elle partait sur l'autoroute. Donc ouais, voilà, en fait la rue est à nous. Mais oui, nous gérons. La rue est à nous. Allez, c'est parti. Ah bon, d'accord. Quand j'ai dit ça. J'achète un coup d'avant. Ça. Tu vois le. Ah, pour mettre tes bijoux? Ouais, les lunettes de soleil. J'ai un. Ah, t'as un mètre, ouais. D'accord. Ouais. Je te... Il y en a un deux, trois là. Un seul truc. Un gros? Oui, madame. Ah, oh, c'est chiant. Quand même, je savais pas que c'était. T'as quoi derrière toi? Bah ouais, ça va bien mener parce que on va pas retourner. Voilà. Ça, je peux ranger. Mais... Ça, c'est bien, non? C'est pas ça. Regarde, je vais voir. Ouais. C'est pas... Ça, c'est mieux, ça. Ça doit être ça, là. Le. Je vais prendre les bijoux et tout. Il y a deux grands. Ah oui, c'est bon, deux grands. Deux grands et quatre. Possible. Ça, il me faut le fond. Bon, ça je verrai ça après. C'est pas mal pour les soutiens-gorge, ça. Ouais. Bon, j'ai des culottes. Les soutiens-gorge, les petits trucs que tu fais pas. Combien ça coûte les fonds de tiroir? C'est 5 euros. Tu te rends compte qu'il y en a des moins chers en bas? Ouais. Que j'ai pris dans un truc de jazz et il y a plusieurs trucs. Mais tu verras en bas. Vas-y, ok. Que j'ai pris pour Jazz. Ouais. J'aime bien ceux-là aussi. Mais il faut. Comment tu. Mais en fait, c'est plus ceux-là que tu dois prendre pour ton salon.
Ouais, mais ouais, c'est pour plus ça. Un peu la chaleur. Et ça a la lumière qui vient. Oui. Ouais. En fait, Lilou, je pense que tu devrais mettre des trains comme ça. Oui, alors des grosses trains là. Ouais. Mais en attendant, je pense que... Ah, ok. Mais en attendant, prends ça avec. Moi, j'ai plutôt aussi. C'est quoi la dimension? 145. Ah, 300. Et moi, je coupe. Ok, c'est bon. Il y a dedans. Je m'appelle pas Bernadette. Burna Boy. Alors, c'est quoi, je vais m'asseoir parce que là. Jamais on n'a jamais. Eh, pourquoi on bouille avec ça? Jamais on n'a jamais. Ok. J'ai raté la zone. Quoi? Non, c'est une blague. C'est bon, on a gagné de l'argent? Si! Mais quoi? Pourquoi tu fais pas? Heureusement qu'elle est là. C'est bon. Et Ikea, c'est bon là. Oh mon pauvre. Bon, on est. La famille top, tu coules la web. Mais là, la famille top. Le papa. C'est même pas ça. Mais c'est pas grave. C'est un bouillon. C'est le nouveau bouillon. Opération Ikea, là, vous n'allez pas me voir. Voilà, c'est mieux. On a fini, j'ai pu trouver tout ce que j'avais à trouver. J'ai pu, ils m'ont remboursé la housse de mon canapé, ça y est. Non, faut qu'on aille chercher au dépôt, putain, faut qu'on aille au dépôt là. Ouais. Merde, oh, fichier. Oh, le ticket. Ouais, les papiers. J'ai le ticket, ouais. Oui, j'ai le ticket. Mais ouais, bon, ouais. Merci. Motisat. Maman, il est en motisat. Bon, bref. Donc, j'ai pu trouver tout ce que j'avais à trouver. Et du coup, là, donc, on va chercher les articles au dépôt et après, on va aller se balader à Belle Épine, tranquillou. On va aller manger aussi, j'ai la dalle. Et puis voilà, c'est parti. Sans sa tête, petit escargot. Ça fuit. Ah merde, oh, pull up. Ça commence comme un bouillon, non? Hé, hey, c'est trop bien. Sans cœur. Ok. Ah merde. Aïe, aïe, aïe. Misola. Aïe, aïe, aïe. Ok, baby shark, baby shark, baby shark, baby shark, mommy shark, mommy shark, mama shark, grandma shark, mama shark, grandpa shark, toute famille là c'est tout, yes, c'est pas lourd, je crois. Bon là on va au dépôt chercher les trucs et puis voilà. Voilà, on est arrivé chez Sephora, deuxième maison. Tu voulais voir? Ah non, c'était Tarte que tu voulais voir. Les nouveaux un anti-cerne. Mais Tarte, c'est en face. Ah, Doudou, je peux pas te filmer, désolée. Mais non, elle me regardait la caméra. J'ai dit, mais Doudou, je peux pas te filmer. Bah, où sont les anti-cernes? C'est là. Non, il est pourri celui-là. Non. Nous, on veut le shape tape. L'anti-cerne, quoi. Shape tape. Allô, quoi. Non, mais c'est pas possible. Attends, ils ont pas ça? Mais c'est trop bizarre. Du coup, je vais conseiller celui de chez Tarte. Parce que pour moi, c'est le best of the best. Couvrant, il file pas. Enfin, voilà. C'est vraiment mon préféré. Bon, là, on est chez Zara. À la recherche d'un short
pour les nous. En fait, aujourd'hui, c'est pour les nous, en fait. Hein. C'est elle qui cherche des trucs. Non, moi, j'ai déjà ces trucs. Oh, il est trop bien, celui-là. Oh non. Ah, celui-là aussi, beau. Five Days Challenge. Non, celui-là, il est trop bien. Ah, il est là. Et tu tiens Zazou. Oui, Zazou. Oui, je tiens Zazou. Ah non, c'est celui-là comme j'ai. Non, c'est pas celui-là. Mais je sais pas, t'es sûr qu'il existe en noir? Mais oui, c'est vrai. Ah, j'ai pris ça par contre, ça j'aime bien. Ça, je vais pas le rendre par contre. Ah ouais. Ça, je vais le garder. Ah bon? Ah, c'est... non, moi c'est Dory. Pas j'ai. Bon, ben alors, c'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre côté. Eh, les t-shirts, ils déchirent quand même. Hein. Alors? Ah! Non! C'est pas les stringos ça? Essaye quand même! Ah oui, mais t'as raison! Ah non, je ne vais pas les t-shirts! Madame! Madame! Regardez qui est arrivé! Ah! Elle sort de son crossfit! En mode sport! Gaillou! C'était bien le crossfit? Ouais, c'était bien, ouais. Ouais, bien dépensé. Altérophilie ? Elle gère la meuf, elle gère. Bon, là, on est arrivé à Maison du Monde, mais je vais rien acheter parce que j'ai déjà envie de tout acheter. Juste regarder des trois petits meubles que j'ai vus sur internet, voir ce que ça rend en magasin. Donc voilà. Quelqu'un se tête. Je m'entraîne pas, les gars. Il y a des trop beaux trucs ici. Oh, c'est trop mignon. J'aime trop leur déco, sérieux. Oh là là. Les trucs là, la petite table, ouais, ta petite table d'appoint. Ouais, tu peux regarder comme ça. Pour mettre l'ordi. Mais j'ai vu ici il y a tellement de petites tables. Oui. Cette coiffeuse là, elle est pas chère mais tout le monde l'a en fait. Quoi? Celle-là. Je suis pas fan. Ah bon? Ah ouais, plein de gens qui ont ça. Trop bêtue, non mais c'est bon, moi je me maquille pas, je me maquille avec un miroir à la main, tu vois. Maman. En fait, c'est un meuble télé que j'avais vu, mais ils l'ont pas là. Bon, bah, y a pas. On peut y aller. Hein. Tu vois, eux, ils ont des beaux tapis. Bon, ça leur coûté cher. Oh, celui-là, il est canon. Ah, j'ai canon. Combien? Oh, ça va. Mais frère, si tu fais du 45. Tes pieds rentrent pas là-dedans. Attends, mais non, mais c'est fou, juste ton pied, hein, c'est pas genre... Non mais sérieux, ton pied il dépasse. Attends, celui-là. Ah, celui-là est beau. Oh, il est beau. Good to be home. Il existe, tu fais du 45. Non mais ça, ouais, mais c'est, ça se voit. 11 euros. Ah, je préfère l'autre. Ouais. Mais j'aime bien celui-là, moi. Ouais, celui-là j'aime bien aussi. Ouais. Celui-là, il est It's my car. J'adore celui-là, là. J'ai claqué. Flasher sur celui-là. Ah, regarde, ah mais 11 euros ça va, fais voir. Celui-là aussi. Ah ouais. Je préfère celui-là. Ah ouais, celui-là ouais. Non mais prends celui que tu pourrais faire lui, hein. J'aime les deux. Mais 20 euros, hein, ça va. Non, j'aime bien celui-là. Bon ben prends-le. Allez. Parce qu'après, non, j'aime bien celui-là. Tu as envoyé. Ah non, t'as pas regardé ça? Ah non, faut que tu regardes ça au top. Pas regardé, ouais. Bon là, c'est le dernier magasin, on va chez H&M, après on se casse. Parce qu'il y en a marre là. On fait que traîner. On a dit qu'on regardait pas ça. C'est beau ça, hein. Ah, j'avoue. Oh, beau. Mais c'est beau. C'est grave beau, ouais. Mais tu m'as... Concurrence. Oh, tiens, je suis pas bien belle, ou? Oui, c'est ça. C'est très joli, hein. Il va bien. Et regardez devant. Ouais, j'aime bien la jean. C'est stylé. C'est ça. H&M, ils ont des belles boucles d'oreilles. Non, mais c'est vrai, non? Je crois. Mais c'est pour les gosses, ça. Pierrot, je sais pas, mais... C'est pour Halloween, ça. C'est pour Halloween. Moi, ce que j'ai dans la
On se retrouve quelques heures plus tard, il est 19h24, franchement on a vadrouillé de ouf, j'ai plus de batterie. Donc là je rentre, ma cousine nous ramène parce que là on a bien vadrouillé. J'ai passé une bonne journée, j'ai quand même trouvé ce que je voulais. Donc voilà, mais j'ai un rangement qui m'attend à la maison, donc je pense qu'on va se retrouver un petit peu plus tard. Mon dressing doit être fini, mais comme il manque un tiroir, du coup on va le rajouter demain. Donc voilà, mais au moins je m'en suis sortie, j'ai quand même pu trouver mes trucs. Donc voilà, bon, à tout à l'heure. On se retrouve quelques heures plus tard, il est 21h, je suis bien rentrée chez moi. En fait j'ai installé quelques petits rideaux à l'arrache un peu dans mon salon. Je peux pas vous montrer parce que c'est il y a un bordel monstre dans mon salon. Mais voilà, parce qu'on voyait tout l'intérieur de chez moi, c'était abusé. Donc voilà, surtout que moi j'aime bien me balader dans des tenues d'Ève et d'Adam. Donc voilà, bref, tout ça pour dire non mais bref, c'est, tu sors de la salle de bain, enfin voilà quoi, tu te balades dans ton salon, enfin c'est normal quoi, ou t'es en culotte, enfin bref, même le soir, enfin bref, voilà, que j'ai une intimité quand même. Et puis là, je suis un peu claquée, enfin, je sais pas encore ce que je vais faire. Il faut que je termine ma valise, mais j'arrive pas à la faire en fait. Comme il y a tellement de trucs, il y a tellement de choses dans mon salon, bah, j'ai rassemblé un peu ce que je voulais mettre là-bas, mais du coup, il faut choisir, je vais pas ramener tous mes vêtements non plus. Donc, je sais pas. Si j'ai la force tout à l'heure, je vais le faire. Bon, moi, je suis un peu comme ça en fait. Là, je suis fatiguée. Mais, genre, vers 21h30, je peux t'activer un petit mouvement comme ça. Si je suis. Voilà, ça dépend. Quand vraiment je suis KO, c'est mort, je fais plus rien. Mais là, non, je pense que je vais m'activer. La meuf relou, elle sait pas ce qu'elle veut. Je vais m'activer pour. Pour la housse de mon canapé, non je vais pas la mettre maintenant. Mais par contre la table, vous savez les tables à 4 euros, là j'en ai pris une là chez Ikea. Parce que j'en ai marre de mettre toutes mes affaires sur mon canapé, c'est juste pas possible. Donc je pense que je vais monter la table, comme ça au moins je pourrais poser mon ordi, les télécommandes, enfin des petits trucs sur la table. Au moins prendre mon petit déjeuner le matin sur la table. Et puis après ce que je vais faire, parce que là la cuisine est en train de commencer à être montée. Donc du coup... le mec qui fait les travaux chez moi a commencé à trier un peu tout le bordel des cartons. Et comme ça au moins je pense qu'il voit ce qui manque, ce qui manque pas. Mais je pense que ce que je vais faire là, c'est... bah oui, parce que l'histoire encore, il manquait un tiroir. Le tiroir en verre qui n'a pas été calculé dans ma liste d'achats. En fait normalement, quand tu vas chez Ikea, si tu fais ton truc en ligne, ça te met tous les éléments. Après tu vas... au stand où il y a les personnes, tac, elles scannent, enfin elles ouvrent ton projet, après normalement tous les éléments apparaissent, et là bizarrement l'élément de mon tiroir en verre n'avait pas apparu, donc je sais pas, il y a eu un loupé, donc du coup je suis partie le chercher aujourd'hui, et bah du coup il va le monter demain, mais ce que je vais faire c'est que je vais commencer à remplir les tiroirs, ils sont trop bien, ils sont balèzes, j'ai acheté un fond de tiroir avec... des trucs, des séparateurs pour mettre mes lunettes, enfin vous allez voir ça après, mais au moins les remplir, comme je vous disais, même si c'est pas rangé comme ça devrait être rangé, là, comme je vous dis j'ai tout suspendu pour enlever les cartons, mais au moins j'aurais plus de cartons là, je commence à saturer, je rêve du carton, je bouffe du carton, j'en ai marre du carton, donc voilà, donc je pense que c'est ce que je vais faire, je vais ranger des trucs dans les tiroirs et puis voilà. J'ai bien avancé dans le rangement à l'arrache, on va dire. J'ai quand même réussi à vider 2 cartons, mais j'ai trop de fringues, sérieux. C'est là vraiment, je le dis, il faut, enfin, j'ai trop de fringues ou il faut vraiment que je fasse le tri. Je sais pas. Mais bref, voilà. Il reste encore quelques trucs, mais j'ai oublié que j'ai encore un tiroir ici et je suis en train de me dire que j'ai un plateau coulissant aussi. Je voulais rajouter un autre tiroir, mais c'est mort. Donc voilà, mais j'ai quand même un autre tiroir. Dieu merci. C'est plus...
j'ai quitté du coup. Donc j'étais dans la chambre mais j'avais plus de batterie, donc voilà, bref, entre tout. Du coup, je voulais installer le canapé, la housse du canapé, mais là, il est 22h23, non, c'est bon, je vais me démaquiller, brosser les dents, et je vais me poser parce que là, je suis KO. J'ai envie tellement d'avancer, mais c'est pas possible en fait, de toute façon, cette journée, j'en avais besoin, donc voilà, et puis ça m'a fait du bien de passer du temps avec mes chéris d'amour. Salut les filles. Et voilà quoi, donc là je vais clôturer le vlog ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé le vlog. N'oubliez pas de vous abonner puisque plein de gens oublient que j'ai deux chaînes. Et voilà, chaîne beauté, chaîne de vlog. Et puis n'oubliez pas de regarder mes vlogs de voyage aussi parce que ben, ça prend du temps à monter. Et même je trouve ça super intéressant. Donc allez plus bas, il y a d'autres vidéos, il y a tous mes vlogs à New York, à Dubaï, au Canada non, mais... au Portugal, enfin voilà, il y a des vlogs quand même qui sont pas mal. Et puis voilà, je vous embrasse fort, je vous remercie encore. Et bah bisous, à bientôt, bye!